Salut mon Oji, on est sur le chemin du destin et dans cette vidéo j'aimerais te parler d'une citation, d'un verset pour être plus précis, de la Bible. Et c'est pas un souci si t'es athée, si t'es musulman, peu importe, la sagesse on la prend partout, pas de limite. À chacun sa vérité, à chacun sa perception de la réalité, tu vois. Pour moi le chemin du destin c'est là où j'ai fait mon premier footing quand j'avais 14 ans. Pour toi ça représente rien dans ta vie parce que t'as pas vécu ça. Bref, pour en revenir à la citation, voici ce qu'elle nous dit. Celui qui a, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a pas, on lui prendra même ce qu'il possède. Et en fait, cette citation, ce verset, il peut paraître un peu polémique. C'est injuste. Pourquoi on donnerait plus à celui qui a et on prendrait à celui qui n'a pas? Si tu le veux bien, on va rajouter juste une phrase en plus. Confiance en soi. On va mettre confiance en soi dans la phrase. Celui qui a confiance en lui, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a pas confiance en lui, on lui prendra même ce qu'il possède. Et là, ça prend sens. Ce n'est ni plus ni moins qu'une loi de l'esprit qui est universelle. Que tu sois indien, que tu sois en Chine, si tu n'as pas confiance en toi, tu perdras ce que tu possèdes. Tu perdras ta copine, tu perdras ton métier, tu perdras tout ce que tu obtiens, tu le perdras. Parce que tu te diras, je mérite pas ça, je peux pas le faire. Et donc, c'est une loi universelle de l'esprit. Il y a des lois physiques comme la loi de la gravité, et bien au niveau de l'esprit, il y a des lois. Si t'as pas confiance en toi, t'as perdu d'avance, mon dieu. Tu dois avoir confiance en toi. Celui qui a la foi, on lui donnera encore plus. C'est pour ça que les gens qui réussissent enchaînent les réussites. Parce qu'ils ont une foi en eux, ils savent qu'ils sont capables, et donc ils le font. Celui qui n'a pas foi en lui, il n'aura que des échecs. Et en fait, la vie, elle devient belle quand tu réussis. Parce que quand tu subis la vie, c'est horrible. Alors que quand tu gagnes, tu kiffes la vie. Tu vois les gens qui sont millionnaires, qui profitent à fond, pour eux la vie c'est stylé. Il y en a pour qui c'est pas stylé du tout. Donc il faut que tu aies cette confiance en toi, c'est obligatoire. Voilà mon G, c'était le petit message de la journée. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Je te dis à très bientôt et n'oublie pas surtout que t'es au top. C'est que le début du premier round.